un roi des Indes, il y a longtemps, cherchant à tromper son ennui, réunit tous ses assistants, s'affairant pour lui jour et nuit. Quand Sissa, novice à la cour, vint présenter le jeu d'échecs, après 40 troubadours, on escomptait un rejet sec. Le roi regarda l'échiquier, puis le brin des yeux de Sissa, avant de dire d'un ton altier, « Je suis heureux de jouer à ça. J'aimerais acquérir ton jeu, que je trouve des plus plaisants. Tu obtiendras ce que tu veux. Je suis très riche et bienfaisant. » La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. Le prix que Sissa proposa étonna bientôt les rageux, car il comptait qu'on disposât du riz sur les cases de son jeu. Un seul grain sur la première case, deux grains posés sur la deuxième, quatre grains en troisième phase, huit grains de riz en quatrième, doublant la valeur précédente jusqu'à la 64e. Ainsi fut exprimée l'attente qui ne devait poser problème. On passa vite sur les premières. 1, 2, 4, 8, 16 grains de riz. 128 grains sur la dernière case de la première ligne nourrie. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient pour acquis. Ce que l'on tient pour acquis. Mais vite apparut un dilemme avec le doublement prescrit, car passé le 21e, vinrent 1 million de grains de riz. Tous les sacs de tous les dépôts furent amenés en toute hâte. Les réserves et les entrepôts vidés sans même qu'on en débatte. À la fin de la 5e ligne, les stocks étant tous déployés, 30 000 tonnes de riz, on fit signe, Seigneur, vous vous êtes fourvoyé. Le roi comprit dans la terreur qu'il restait encore 23 cases. Puis il reconnut son erreur et abdiqua dans la même phrase. La nature expose chaque jour son fragile équilibre qui démontre qu'on perd toujours tout ce que l'on tient. Prit possession du gain, partagea le riz entre tous. Les sujets le firent souverain et eurent des vies un peu plus douces. Ainsi, pendant plus de 1000 ans, la sagesse des Indes fleurit. Le savoir était dominant, tout comme le partage du riz. Les monarques avisés d'alors trouvaient en effet essentiel de se méfier comme de la mort des progressions exponentielles. La nature expose chaque jour son fragile équilibre.